je lis Imago Video Audio, Imago Video Audio, Imago Video Audio, je m'endors, je me réveille, et j'entends, Beroz Epizem Klak, Quadzo Fur Blain, Gur Amelir Poso Poflur, Ozwake Wake, Hio Wake, Blain, Pek Vinci, Som, Tamileg Wap, Tono Toto, Zop, Ugh, Quart, Verzi, Bli, Swansert, Benglis, Vidle, Vidle, Vid. J'écris une page au sommet d'une montagne de pages. Je pense toujours à 10 000 choses qui trouveront leur place au fur et à mesure des déjections de mon stylo au métabolisme. Il dissipe les temps, ça touche au temps de l'écriture, en prélude des manifestes de mots choisis, répétés. Écriture infinie, boucle, cut-up, rewind. S'agit bien de cela, et si j'y le lien. Imago video audio, substratum horatius verita est, veros epizim clac webso plane, by Jonathan Hecht, the 10th February of year 1996. Et de vous en toi, à nous en toi, en moi, written and edited in your head today. Je, comme table de montage à ce moment, 28 years recorded. Je rêvasse autour de mes performances récentes sur scène, la relecture, réécriture d'un moi révolu de 18 ans, il y a 10 ans, et dont les textes me font dire qu'il mérite bien d'être porté, et que, si ce n'est par moi, il aurait du mal à percer le petit, là où il n'a toujours pas percé d'ailleurs. Le grand, longue percée inachevée de mort et de renaissance. Je les déclame, les interprète ces textes. Je me replonge dans son univers, Beckett, Ionesco, Lucas, Artaud, Bacon, les sex shops. Et je suis troublé, pris complètement par un autre que je suis, par clignotement. À la fréquence et à l'organe aléatoire, trop longtemps, pas assez. Un fantôme entre moi et lui, un nous au laborieux dénouement, au gré des nouveaux indices qui vont articuler l'image, les scènes d'un film de 5 milliards de minutes, rapiécé à l'infini, dans tous les sens, de haut en bas, en diagonale, rewind, stop, pause, volume. Volume. Un DJ aux platines d'une vie comme un roman, un film, un habit, un énoncé live, des traces infinies qui font un vrai dessin et le cahier des charges pour le communiquer. À l'origine, le don du sang de mon servile stylo, seule conscience entre l'esprit et vous, ces enfants, monstres de l'obscurité, figures éclairées, animées, éteintes, envahies, contrôlées. Je veux parler, je veux parler. Des trolls, des web marqués, tatoués, labellisés, des better world makers, hackers, à l'ego dissous sur la toile du net, aux entrailles éclatées sur l'autoroute de l'information. Je veux parler des résistants affranchis, du grand capital abstrait à la machine et prêt à machiner, à vous machiner à tout instant et à tous instants. Je veux parler, je veux parler des gens du voyage qui ne peuvent pas ne pas nourrir des milliers d'avatars. Je les vois passer depuis des années par la meurtrière de ma tente en béton, imitation parfaite des matières actuelles, équipée d'un système d'invisibilité. Ils tuent des groupes de plusieurs années comme on se cure le nez tant ils ont de café, de boutiques bien placées entre deux concurrents alliés, jusqu'au bug corse. De spam, ils psalmodient les trolls, se dentissent, spam, en spasme pris, ils exultent.
tremblement de mâchoire avec leur mine de déterré cathodique d'être dans la matrice, l'esprit. Ils jouissent de leur corps en l'oubliant, apaisés, pleins de l'espoir de partager leur dîner ce soir avec le monde entier. Avec leur monde entier, comme on bouffe un clavier. Créatures aux corps aseptisés, aux corps inorganiques, déjà morts. Créatures aux corps aseptisés. Leur corps sans organes leur est nécessaire, mais ils en connaissent les limites, et ils l'apprécient d'autant plus dans les plaisirs du ventre, du cul, de la pisse et des excréments. Ces êtres, ces nouveaux ou ces anciens hommes redécouvrent leur corps et ils l'entretiennent comme leur premier ordinateur. Les corps vivants comme des posters de stars et des posters de stars comme des corps vivants, tactiles, schizophrénie, big gang bang, itiphalique et pioupiesque, j'émets, je reçois 50 infos minutes, je suis 10 personnes et 3 groupes à la fois. V, les envahisseurs, est-ce un homme qui me parle ou un avatar? Un doute, dans le doute, une sonde spy doute. Des contacts physiques sous bulles et des millions de bulles qui pétillent comme des électrons. Des spermatocodes neurons mots de bulles de champagne cosmique. Prédateurs caméléons et proies caméléons qui s'interchangent, se téléportent, transmutent, transfèrent et alimentent le grand réseau d'un réseau de réseaux. Je me suis converti en 3021 à un autre système que j'ai créé des suites du génocide du CB par les IPE en 3020. Je suis parti en exil dans une tribu accueillante de déconnectés à Pondichéry. J'ai dû quitter l'ashram en fin de droit cédique, ne pouvant plus payer le loyer exorbitant pour ma chambre individuelle. Je me suis donc amendé de ma note au bureau de douane de la banque terrestre à l'entrée du temple. Je suis sorti du bureau, quelques centimes de galactiques en poche, et je me suis fait héberger sur un site en chantier d'anciens camarades d'un blog, des poètes, des loubards, tous en demande d'asile, exilés pour avoir téléchargé des photos pornographiques. Reich, un soi-disant chercheur en pédiatrie, Whitkins, un reporter indépendant, et Dodgson, un monoblogal fuyant qui bredouille lorsqu'on l'interroge sur l'affaire. Par erreur, tous les sites, sauf ça, un complot innocent comme un enfant. Hodgson est spécialiste des antivirus. Il m'a été d'une aide précieuse pour protéger mes amis et créer le club de la galaxie. Le club où il faut être. Le premier de la chaîne des King Bloggers. Les plus forts, les plus riches en toute légalité, les seuls violeurs inviolés et inviolables de la galaxie. Amis dégroupés, de sous-groupes, de groupes, en regroupement, venez, l'adhésion n'est que de 100 000 galactiques, 100% remboursé en 20 ans, compressé en 5 minutes chrono.